la matière. Et une quinzaine de chefs d'entreprise en profitent à travers une formation. L'idée est de développer la marge des industries tout en réduisant leur facture énergétique. Et puis, nous en saurons davantage donc dans ce journal. Et puis, aujourd'hui, mercredi des cendres, premier jour de carême pour les fidèles catholiques. Et sur la démission du pape Benoît XVI, l'église famille burkinabé se prononce. Nous entendrons dans ce journal l'appel des évêques qui disent accueillir la nouvelle dans la foi et l'espérance. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette nouvelle session d'information sur la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition avec le carnet d'audience du chef de l'État qui a reçu hier en fin d'après-midi le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Il s'avère que la coopération entre l'institution et le Burkina Faso est au beau fixe avec près de 43 milliards de francs CFA injectés dans le pays rien que pour l'année 2012. Les échos de cette audience accordée au palais de Kossiam avec Boukari Ouedraogo. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de Faso pour lui faire le point de notre activité en 2012 et les perspectives d'activité de notre banque pour 2013 et surtout parler de la coopération entre la BOD et le Burkina Faso. Milliards de francs CFA et particulièrement dans le secteur marchand et le secteur privé. Le tiers étant orienté vers les prêts souverains, c'est-à-dire le financement des projets des États. Mais nous devons signifier également que les secteurs qui ont été prioritaires, qui sont restés prioritaires, sont l'agriculture et puis les infrastructures. Donc ce sont ces secteurs qui bénéficiaient d'une grande part des financements de la banque. Alors sur 2013, nous allons maintenir la même tendance, toujours en nous focalisant sur la sécurité alimentaire, donc l'agriculture et les infrastructures. En ce qui concerne la coopération avec le Burkina Faso, nous avons informé le chef que pour en 2012, nous avons pénétré le premier projet pour un montant total d'environ 43 milliards dans le secteur public, dans le secteur privé. Et nous avons parlé de la coopération future. Pour la coopération future, c'est-à-dire en 2013, nous avons déjà 4 projets en portefeuille, 2 dans l'agriculture, donc il s'agit du lac de BAM, et également le projet d'aménagement agricole de Bonvalet. Alors nous avons également 2 projets en matière d'infrastructure, notamment infrastructure routière. Et ces 2 projets ont même déjà fait l'objet d'évaluation. L'équipe d'évaluation de la banque est rentrée ce week-end. Il s'agit des projets de route Kongossi-Djibo. Et Dédougou et Tunga. Et ensuite, nous avons un projet de route UBEL. Donc, il s'agit de la route qui vient de la nationale 03 jusqu'à l'échangeur Est au niveau de Ouaga. Donc, ce sont ces projets que nous avons actuellement et pour 2013, mais c'est assez pour notre prochain conseil. Nous avons encore 3 conseils. Donc, on a une série de projets également, notamment toujours dans l'agriculture et les infrastructures, et que nous allons promouvoir pour 2013. Et puis se communiquer avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie et de remise de diplôme de Master 2, un audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur privé, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et sous le parrainage du général Tiemoko Marc Garango, ancien médiateur du Faso et ancien ministre des Finances. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence international de Ouagadougou le vendredi 15 février 2013 à partir de 8h et l'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le communiqué est signé le directeur général. Prochaine démission du souverain pontife, le pape Benoît XVI. Nous écoutons à cet effet Monseigneur Séraphin Rouamba, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Ces derniers temps, les médias nous ont donné l'image d'un pape quelque peu fatigué, physiquement diminué, mais qui continue à assumer ses responsabilités avec courage et lucidité. C'est dans cette même lucidité qui nous a tous surpris
par l'annonce de sa renonciation. Conscient que son état physique ne lui permet plus d'être efficient au service de l'Évangile et de l'Église avec la même vigueur d'antan. Chers fils et filles de notre Église, famille de Dieu, en ces moments d'interrogation et en cette année de la foi, nous vous invitons à la sérénité et à l'accueil de la nouvelle dans la foi et l'espérance. Le Seigneur a bâti son Église sur une pierre solide et il n'y a pas lieu de paniquer. Ne nous laissons surtout pas tromper par certaines interprétations tendancieuses de cet acte. C'est librement et volontairement de sa sainteté le pape Benoît XVI. Nous vous invitons encore à la prière pour lui, afin qu'il jouisse d'une retraite féconde. Ensemble, en ce saint temps de carême, de manière individuelle ou en groupe communautaire, redoublons d'efforts dans la prière et le jeûne pour que l'Esprit Saint qui gouverne l'Église donne de nouveau à celle-ci un pasteur selon le cœur de Dieu. En vous confiant à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie, nous vous restons unis dans la prière. Et nous en profitons pour souhaiter un très bon mois de carême à tous les fidèles catholiques. Ils sont 15 chefs d'entreprise à s'engager dans la réduction de leurs factures énergétiques et participer ainsi à la consommation utile de la ressource. Comment ? Par une formation proposée par un opérateur privé, la société Eclipse SA, spécialisée dans l'économie de l'énergie en milieu industriel. Plus de précisions dans ce reportage signé Jack Lamissa-Tarpaga. La diversification des sources d'énergie est une préoccupation pour le gouvernement et l'on se tourne de plus en plus vers le soleil, source intarissable d'énergie. L'idée de cet opérateur privé est justement d'apporter des solutions d'économie d'énergie aux industries burkinabées afin d'augmenter leurs marges en réduisant la facture. On va d'abord ouvrir le débat sur tout le panorama de ce qui est disponible. Ensuite, on va donner les limites mais aussi les possibilités que peut avoir l'énergie solaire sur le Burkina et pour les entreprises industrielles. Et dans un troisième temps, on ira dans chacune des entreprises qui participent pour faire un diagnostic, un plan d'action, essayer de chiffrer les impacts de façon beaucoup plus précise pour elles, de façon ensuite à ce qu'elles puissent décider d'aller au-delà et d'aller vers des solutions effectives de réduction de coûts. Pour le ministère des Mines et de l'Énergie, des démarches sont à adopter, notamment le changement de comportement, l'optimisation des équipements, la réalisation des infrastructures adaptées et l'utilisation des équipements à l'énergie renouvelable. Ce séminaire vraiment vient à propos pour effectivement soutenir cette idée et cette vision du gouvernement qui veut qu'effectivement on puisse de plus en plus entreprendre des mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie dans presque tous les segments de l'économie, notamment dans l'industrie. Ce séminaire du groupe Eclipse SA s'adresse à 15 chefs d'entreprise. L'objectif est de leur permettre de réduire de 30%. International. Mais avant, les agents de la banque ont effectué une visite dans les locaux de la télévision nationale. La délégation était conduite par le président du groupe Idrissa Nassa. Le compte-rendu est de Karim Patrick Namwano. Coris Banque Internationale, Radiodiffusion Télévision du Burkina, deux institutions, un partenariat scellé autour de l'image. Mais au-delà du partenariat, la délégation de l'institution bancaire rend ici une visite d'hommage et de reconnaissance aux agents de la chaîne au cœur des grands événements. Et l'événement du jour est la remise de ce matériel composé d'une table de montage numérique et d'une caméra professionnelle, le tout d'un montant global de 8 500 000 francs CFA. Nous avons apporté notre modeste contribution à travers un lot d'équipements
pour renforcer les capacités afin de permettre à la RTB de toujours rendre un service de qualité. Mais l'objectif de notre visite, c'est surtout l'hommage que nous avons voulu rendre aux hommes et aux femmes qui travaillent ici. Et donc ce geste est un accompagnement de cet hommage que nous sommes venus leur rendre. C'est une bouffée d'oxygène pour la radiodiffusion télévision du Burkina qui, dans ses ambitions, envisage un maillage du territoire national par l'entremise des RTB2. Au-delà des questions de préoccupation de matériel ou d'équipement, c'est la volonté commune que nous avons de soutenir le développement du Burkina. De se les déployer pour être au plus proche de leur clientèle, pour le dire, mais pour nous, globalement, pour des questions de développement, c'est être au plus près des citoyens burkinabés, des populations. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des Coris Day témoigne de la volonté des responsables de l'institution bancaire d'être plus proche de leurs clients, mais aussi de leurs partenaires. Comme quoi, à Coris Banque Internationale, renforcer les relations publiques est plus qu'une nécessité marketing. Cela revêt aussi une dimension sociale. Les milliers de kilomètres qui séparent les villes d'Agen en France et Thion au Burkina dans la Yanya n'ont pas suffi pour freiner l'amitié entre les deux villes. Une amitié qui a d'ailleurs porté du fruit, des fourrages et un don composé de matériel roulant et de fournitures scolaires. Hier à Thion, l'ambiance était des grands jours à Adama Koulibaly. Les femmes de Banogo village, la commune rurale de Thion dans la Nyanya, n'auront sans doute plus à parcourir des kilomètres à la recherche de l'or bleu. En effet, depuis ce mardi, l'eau jaillit des entrailles de la terre à travers ce forage, grâce à la solidarité de la population d'Agen, commune française. Ce sont en tout trois Thion. Et on est très heureux de ça, mais on est surtout très heureux de prendre votre amitié, l'amitié des Burkinabés de Thion. Quand on voit ce que vous nous apportez, vos fêtes, vos masques, vos danses, tout ça, cette générosité nous va droit au cœur. Donc pour nous c'est important et la petite chose forêt puits, c'est vrai que c'est, pour nous c'est peut-être peu, pour vous c'est sûrement beaucoup. L'éducation est aussi un axe important de cette coopération, d'où l'organisation de ce prix d'excellence qui a permis de récompenser les meilleurs enseignants et meilleurs élèves de l'année écoulée. Le président du FASO, dans le cadre de son programme, place la question de l'éducation comme étant un enjeu. Mais dans notre commune, c'est vraiment véritablement une question essentielle. Nous avons des problèmes pour la construction des écoles, mais nous voulons célébrer les élèves qui, malgré donc les difficultés liées au fait que nous n'avons pas des infrastructures scolaires, continuent de travailler. L'ensemble de ces actions contribue à l'effort de développement de Thion qui, en retour, permet aux populations d'Agen de découvrir les potentialités culturelles de la localité. À chaque fois qu'ils viennent nous rendre visite, ils nous apportent l'air à pied dans le secteur du développement rural. Ils nous apportent des puits, des forages et bien d'autres choses. Ces amis, quand ils viennent nous rendre visite aussi, nous aussi nous leur montrons ce que nous disposons comme potentialité, notre potentialité culturelle. Et cette occasion, vous avez vu compétir plusieurs troupes, les troupes de masques, les troupes de danse et le folklore. Grâce à ce partage mutuel, Agen Thion peut être considéré comme un bel exemple de coopération nord-sud. Ainsi s'achève cette édition et merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB.